Pardon pour ce bruit, donc bien le bonsoir mes amis européens, bien le bonjour à mes amis canadiens, québécois, nord-américains. Soyez bienvenus pour un nouvel épisode de d'Osiris au Community sur du GTA RP. Et donc nous allons nous connecter de suite avec Monsieur McFly. Si le serveur veut bien qu'on se connecte dessus, ce serait pas mal. Oui, non, oui, non, oui. Ah, je pensais. J'avais pas oublié de couper le son. Du son, de la musique pour éviter YouTube qui fasse des siennes. Donc pour hier, pour ceux qui n'étaient pas là, bah écoutez, on n'a pas eu du RP. Mais bon, malheureusement, le fait qu'on n'était pas énormément a un peu terni cette soirée, mais bon. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On va essayer de... Pourquoi pas se rattraper ce soir, donc on espère toujours. On verra bien. Bon, avant de commencer, je vais quand même vérifier si le son de micro fonctionne bien dans le jeu. Ouais, il fonctionne bien. Prendre son service. Par contre, ça fait toujours guirlandes de Noël ici. D'ailleurs, je m'en doutais un petit peu que j'aurais été tout seul, vu que j'en ai viré depuis. Oui, il faudrait bien avoir le menu. Merci. Mon vestiaire homme, tenue une. Voilà. Bon. Je pense que j'avais fait... Voilà, je sais pas ça fait. J'avais fait le plein au niveau de mes liquides et bandages. Donc oui, bouteille et tout. En fait, j'ai tout fait. Donc... C'est parfait, on va commencer en douceur. On va s'échauffer un peu. Je vais fermer. Voilà. Nous allons vérifier tout ce qui est... Voilà, sortie de garage arrière. Bon, c'est parce que là, il faut que je force un peu. Voilà, donc l'entrée des urgences, c'est bon. Et rentrer, c'est aussi bon. Alors, on va voir s'il y en a des messages. Ah oui, il faut que je note celui de Monsieur Alban. Donc, je vais faire ça de suite. Par contre, j'ai oublié un truc. Un truc important. Alors, faut que je trouve le lien. Voilà. Tac, copie, colle. Voilà, ça c'est fait. Alors, nous allons noter donc le numéro de Monsieur Alban. Donc, alors, c'est Shelby, Shelby, Alban. Donc, numéro 06 02 58 97 69. Alors, on va recopier le contact, on va ajouter. Donc, Shelby Alban. Numéro 06 02 58 97 69. Non, 69, pas 63. Enregistré. Est-ce que c'est le bon? C'est bien. Voilà. Donc.
Donc concernant l'histoire de McFly, en fait, un patron changé, il est toujours toujours son envie de faire de l'illégal, de blanchir de l'argent pour changer. À continuer à faire son métier comme d'hab, à recruter si possible, mais bon, ça, le recrutement se fait très rare, donc il garde espoir, mais bon, je pense qu'il va se contenter d'être seul pendant un bon bout de temps. On verra bien de toute façon. Voilà, c'est fermé. On a tout verrouillé normalement. Ah, vite verrouillé ici. Voilà. Donc pour l'instant. Ah! Si je suis vraiment tout seul, ça risque d'être compliqué. Le problème, c'est que je sais pas voir. Je sais pas voir comme ça. Sur le Discord, je sais pas voir. Bon. On fait comme si de rien n'était, comme si on était avec d'autres personnes. Voilà, avec lui. Donc c'est parti. Bah, tant qu'à faire, on va passer à la banque. Bon, je devrais quand même avoir un peu plus de gros, pas grand chose, mais on va le déposer quand même. Par contre, mon téléphone est peut-être mal placé. Dérapage contrôlé, ou presque. Donc j'avais combien? 146, hein, 149. Yeah, whatever, man. Ah, pas peur, garçon. Donc on va. Ah, d'accord, bon, j'aurais énervé, d'accord. On voit pas. 49, déposé, tac. Ah, il est énervé ce soir, ça se voit. Hein. Bon. Ouvert, fermé. Bon, comme d'habitude, on va faire le tour de l'entreprise vu que c'est calme. Bon, on va voir si Monsieur McQueen est en train de faire la sieste ou déjà peut-être n'est pas encore sur place. Personne au niveau du secrétariat et au niveau du bureau du chef, bah, non, personne. Par contre, c'est un cintre. Ah ouais. Ah, je suis costaud, hein, moi, quand même. C'est sensible, c'est vraiment sensible. On va dire qu'on n'a rien vu. Je vais effacer les traces. Enfin, on va effacer les traces. Attendez. Voilà. On ne voit plus rien. Il manque juste un petit bout là, mais bon, un peu trop. On n'a rien vu, on va dire. C'est un nouveau design.
Donc en fait, si je saute là, d'office, elle casse aussi. Donc on va pas. McFly, Oui. t'es en session solo si jamais. Ah, je me disais aussi d'un coup. Bon, ben merci de m'avoir prévenu. À toutes, À salut! toutes. Donc voilà, je me disais bien que c'était un peu surprenant. Je savais pas qu'on pouvait avoir une session solo. Bon, par contre, je vais d'abord descendre. Ah, écoutez, on va faire plus simple. C'est ça que ça me semblait louche. Il me semble que j'avais vu trois personnes, donc. Donc attendez, on va mettre l'ambu, on va revenir à l'hôpital et on va faire si comme de rien n'était, on va recommencer depuis le début. Donc voilà, vous avez eu un petit moment de stress. Oh, comment ça se fait tout seul, etc. Bah non, en fait, c'était j'étais en session solo. Donc, en session solo, bah, comme ça veut dire, c'est une session où vous êtes seul, mais vous avez toujours les options du jeu qui vous permet peut-être aussi de gagner du salaire hein, en faisant pas de. Bah, vous faites pas vraiment RP, quoi. C'est différent. Malheureusement, ça, si vous profitez d'une session solo, que vous essayez de gagner de l'argent. Surtout et n'importe quoi sans que vous fassiez prendre ou, quoi, ou autre, ben. Voilà, je me disais bien, vous étiez à 3. Donc, si vous faites prendre sur de enfin, en faisant de l'argent sale, etc., ben ça peut avoir un avertissement, voire peut-être aussi le ban. Donc, ça dépend des serveurs. Donc là, si je me revois encore seul, c'est que là, il y a un problème. Attention, nous allons vérifier de ce pas. Ouf, tu peux. Je crois que c'est dans le brouillard. Attendez, donc on vérifie. Voilà, c'est mieux. Là, c'est mieux. On est donc 4. Regardez par exemple, ça c'était fermé. Donc en fait, ça c'était bon, mais que. Enfin, prendre service. Les sérums, tenir en vue. Oula, pardon. Voilà, donc là nous allons reprendre depuis le début. Donc, concernant les visites des entreprises comme d'habitude. Je vais quand même aller voir pour les candidatures, même si j'ai peut-être un petit doute, mais bon. Bah pour l'instant, l'ascenseur fonctionne à merveille. Enfin, ils ont peut-être trouvé la solution. La solution miracle pour que l'ascenseur ne fasse plus autant de problèmes. L'ordinateur, ouais, c'est plus d'actualité, les employés n'en ont plus que deux. Et le coffre, bah, toujours pareil. Donc voilà, nous commençons donc à 4. Et nous allons voir en fonction du temps qui passera, comment ça va se passer. Par contre, un truc qui est quand même bien, si on est beaucoup sur ce serveur, donc moins une bonne vingtaine, hein, voire même une petite dizaine, hein, une bonne dizaine, s'il y a du bon RP, et vu que je ne travaille pas le lendemain, je pourrais rester plus tard. Donc là. Si tout va bien, vous aurez peut-être des sessions de 4, 5, 6 heures, qui sait, si je suis motivé. Donc nous allons reprendre depuis le début. On va dire que c'est comme si j'aurais fait un. Si j'étais dans ma tête en train de dormir et que je rêvais, enfin, que je rêvais que j'étais dans le bureau de Monsieur McQueen et que j'avais cassé sa vitre. Mais là, nous n'allons pas le faire, nous sommes. Nous sommes bien éduqués. Nous allons respecter le matériel de chez les taxis. Non, là. C'est pas en voyant comme ça que je vais rester 4-5 en tout cas. Donc là, bien sûr, y a personne. Donc est-ce que le téléphone ça change quelque chose par contre? Non.
Oui, descends, ça serait bien. Fais gaffe de rester bien au centre. Pas sur le côté. Bon, si ça va, je pourrais faire genre, hop là, voilà. Ah bien bonsoir Dadjunk. Enfin re, parce qu'on s'est vu, on s'est parlé tout à l'heure au téléphone. Bon. Bon, comme tu dois connaître hein, maintenant mon personnage et ses mimiques concernant ce qu'il fait en ville, donc là, vu que c'est calme, il fait sa petite tournée de l'entreprise pour pas changer. Donc t'as pas encore, t'as pas, ça fait que 15 minutes. En fait, ce que t'as raté, bon. En fait, tu as raté mon début, j'étais en session solo. Donc session solo, ça veut dire que tu es à part des autres joueurs et tu es tout seul dans la map. Et j'ai fait ça pendant 10 minutes, je savais pas, je pensais que j'étais vraiment tout seul. En fait, non, on est pour l'instant 4. Il faut tant que ça démarre, hein. Les 4, c'est déjà ça. Maintenant, il vaut mieux que ça monte que ça descend. C'est ce qu'on a eu le cas hier, on est monté à 5, voire 6, je pense, ou min maximum que j'ai pu voir. Et puis, on est descendu en flèche pour arriver à 2. Nous n'espérons pas que ce soit le cas aujourd'hui. Donc là, j'ai fait les transports. Nous allons voir donc les policiers. Ah, c'est con que j'ai pas de capteur. On est encore dans les anciens modèles. On va voir si c'est ouvert aussi. Mais bien sûr que c'est ouvert. Alors. C'est bien fermé, mais il n'y a personne. C'est bien fermé. Ouais. Ah, c'est une clé, j'ai eu peur. Il y a du grillage. C'est fermé. Et là, c'est donc fermé. Ce qui est très bien. Bon, écoutez, on va faire quand même le RP en général. On va quand même sonner à Monsieur Park pour voir s'il sera en ville. Il se peut être surpris. Normalement, à Sherpé Pardo, je sais qu'il n'est pas là, mais. RP Pardo, il est pas au courant. Ouais, ça sonne, ça sonne. Ah, mais j'ai monsieur Alban aussi maintenant. Alban, donc chez lui maintenant. Il est peut-être dispo, hein. Ah, par contre, j'ai plus mon téléphone sur la main. Pas mal de gestes. Pour être présent. Par contre, l'appel terminé, là, a été vite. Hein. Ah! Ah ben, allô? justement, j'essayais de vous sonner, ouais. Monsieur Shelby. Ouais, c'est bien. Non, c'était pour savoir si tout allait bien. Comment allez-vous? Ah oui, tout se passe bien, et vous? Bon, bah, écoutez, je viens d'arriver en ville, donc je fais ma petite tournée comme Ouais, d'habitude pareil. et je voulais voir s'il y a au moins un policier en service. Hein, ce serait quand même pas mal. Hein. Là, j'arrive, j'ai eu un petit problème avec ma tenue là. Oui, vous inquiétez pas. Quand je pars de mon service, mais j'ai oublié mes autres vêtements, du coup, j'ai toujours mes vêtements de policier. Ah oui, y a pas de soucis, y a pas de soucis. Ouais. Moi, je suis de passage, donc voilà. Ah! Ah On voit. bah. Oui, là, Ah, d'accord. Ouais, mon. Oula! J'ai réussi à changer ma tenue, mais bon, j'ai pas mal, il me reste collé. Je vais avoir un peu trop chaud, quoi. Oui, mais c'est surtout. C'est quoi cette veste dégueulasse? Ah, c'est en attendant. C'est un kawaii? Ouais, vous savez, ça coûte pas super cher les kawaii, quoi. Non, C'est. c'est tellement Encore désagréable à chineuse. mettre. Oh non, ça j'ai connu. Quand on était tout petit, j'ai connu ça. Avec avec le sac banane. Ça faisait une banane dedans. Ouais. Ah non, c'était. Oh, bah, si y en avait, je suis pas contre, hein, pour mettre un petit trousseau de clés ou s'il n'y a pas de place dans les poches. Ouais, mais bon, c'est le fait que s'il est humide que vous mettez tout dans ça. Ah bonjour, Mais. bonjour les dégâts. Ouais.
Non mais bon, allez vous changer quand même. Ouais, Ça, ça fait mal, j'ai ça mon pique aux pantalon yeux, hein, ici. ça pique aux yeux. Ouais. Ah, j'aurais pu raccrocher quand même. Hein. Donc pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est Monsieur Shelby. Encore un Shelby, mais c'est Albon. Allez, un des autres frères. Tant qu'à faire, je vais boire un coup. Ma sera vas-y à fond. Regardez, j'ai un problème de. Quand je suis dans ma tenue et que je retourne en tenue civile, j'ai toujours ma ceinture de policier. Ah Bizarre comme problème écoutez ça. ça, il faut peut-être en parler au, Et au. voilà, au dieu du support ou à votre Ouais. couturier, je sais pas moi. Je sais pas pourquoi il vous le colle à la peau comme ça. Bah j'avais tous mes vêtements de policier, même en quittant mon service, qui me collent à la peau. Mais écoutez, au moins Quand on ça est là, je vais fait mettre en tenue. discret. Enfin discret, à part la couleur, mais le reste, on va dire, on voit bien que vous êtes pas flic comme ça. Enfin, à part votre taser, votre matraque et votre pistolet. Voilà. Et votre Ouais, radio t'as voulu me aussi. changer. Ah bah allez-y, allez-y. Ah oui, vu que c'était pas là. Maintenant, je pense que c'est toujours d'actualité. Ah non, c'est plus d'actualité. En fait, hier, on pouvait prendre au distributeur 4 boissons différentes. Mais je crois que ça ne fonctionne plus. C'est bien dommage. Voilà. Par contre, vous n'avez pas un souci de porte? Voilà pourquoi? Bah parce que je vois Non, la elle est porte parfaite. fermée et je vois que vous êtes de l'autre côté. Enfin, je sais pas où ce que vous êtes là. Vous êtes... Ah, là, je vous vois. Ah oui, non, Ouais, même je les vois. portes, ils ont un souci. Attendez, je suis tapé dedans. Non! Oh merde! C'est pas... Mais non, mais... Oh, mais C'est pourquoi... pas, c'est pas. Non, mais je voulais taper la porte. C'était trop près. C'est comme vous êtes comme un aimant avec tous vos objets. Ah, mon cou, il partait tout seul. Excusez-moi. J'ai ramassé mes lunettes. Oui, attendez, je vais regarder ça. Attendez. Ouais. Attendez, je vous remets. Voilà. Ah, merci. Ah, vous venez juste d'arriver aussi, Bah, Monsieur Shelby? j'étais venu un peu plus tôt Hein? avec mon frère Max. Et on s'est Ah! fait une petite teinture à deux. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Il. C'est quoi cette couleur? Oh, on essaie des choses. On Ah, saura c'est quoi. Un petit mois, si on, à part si on coupe. Attendez, votre frère, il est policier aussi, Max Shelby? Oui? Ah, j'ai Ouais, compris! bah. J'ai compris! Vous faites les gyros, c'est ça? Compris quoi? Un est bleu et un vert. Et un est rouge, pardon. En fait, les Non, gyros. on est tous les deux rouges, on est tous les deux rouges. Ah. Bah, il Ouais, faudrait non. deux bleus. Vous attachez au-dessus de. Enfin, vous agrippez, je sais pas trop comment. Enfin, si vous avez un véhicule pour vous agripper, vous faites des gyros. Ça sera pas mal, ça. Oh, mon capi chef, il fera le bleu. Ouais? Ah, bah, Peut-être qu'avec écoutez. un peu de chance, ça sera lui qui fera la sirène, hein. Hein? Bah, au moins, il Il aurait le fera le bruit meilleur de la rôle. Parce sirène. que vous, à l'extérieur. Enfin, les personnes à l'extérieur, s'il commence à faire froid et s'il sait pas conduire en plus, là. Vous êtes dans le beaudre. Sinon, à part ça, bon, j'espère quand même qu'il y aura. Enfin, j'espère que de ce que je vais sentir, on va dire mon sixième sens va me dire qu'on aura un peu plus de monde Ouais, aujourd'hui. Ça j'espère aussi. serait bien, ça serait bien. Ah, bah, quoique, on a De eu. toute façon, la semaine comme ça, il préfère se reposer. Oui, qui sait? Qui sait, qui sait? Ou alors ils sont plus fifous, ils préfèrent plus des villes où ils font plus la fête qu'autre chose, vous voyez. Ouais, je vois. Mais remarquez aussi, hein, je vois souvent dans les catalogues, ils parlent de villes un peu plus exotiques, un peu plus festifs. Ah, ils vous proposent des choses Mmh, ici et là, et bon voilà, après le lendemain ils oublient tout. C'est pas forcément mon idéal, mais bon voilà, chacun son truc. Ouais, moi un peu. Chacun son truc. Non, je pense Bon! que j'allais repérer vers le tequila ou Ah un truc comme oui! ça pour essayer de faire la soirée. Ah bah oui, je m'en doute. Bon, Bon! voir les lieux déjà si. Ouais. Je reviens à ma discussion d'hier. Vous voulez toujours pas changer d'avis? Non. Ah, vous êtes Non. difficile, hein, mais. Ah C'est non, pas mais. que je suis Ah. difficile, c'est que je Oh peux non, mais pas. ici, je pourrais même pas parler parce qu'il y a des caméras partout. Je suppose qu'il y a même des micros, Si, donc. si, les caméras, c'est juste les images. Ils vont Oh, pas mais dire que c'est mauvais. justement, voilà, c'est pas. Pas forcément discret. Bon, tant pis, hein. J'insiste plus. J'insiste plus, mais c'est bien dommage. Vous serez fait un paquet de fric.
vous en parlerez au capitaine, sinon. Oh, vous parlez encore du capuchon. Oh là 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 là. Oh. Oh, des fois, vous êtes pénible, monsieur Shelby. Ah non, mais. Justement, ça se passe entre nous, le capuchef. On... Enfin, voilà, maintenant je parle comme vous, je dis capuchef. Maintenant, monsieur Park, quoi. Ah là 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 là. Donc, sur ce, je vais faire ma petite tournée habituelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant le domaine médical, bah, vous me sonnez. Et sinon, bah, peut-être qu'on se recroisera. Ok. Ouais. Je vous souhaite la bonne soirée et faites attention à vous comme toujours, Bonne monsieur soirée, vous Shelby. aussi. Merci bien. Oui. À la Au prochaine. revoir. Bon, il y en a déjà un. Espérant que les autres vont suivre. Non, on va dire la référence que je fais par rapport aux villes qui sont un peu plus festives, un peu plus. Comment dire, d'être contractées. Bah, attendez, faut que ce soit vert, hein, bon sang. Voilà, regardez, c'est rouge. C'est rouge. Ouais, j'essaie de klaxon voir Ah non, comment oui, bien il sûr. rend. Je tourne à droite. J'ai mis mon clignotant. Et je retourne à droite, clignotant droite. Et donc, comme je disais, en fait, quand je parlais des serveurs donc un peu plus festifs, etc., etc., c'est le fait que voilà, on a remarqué que beaucoup de personnes en fait vont sur des serveurs où on propose déjà des choses. Oula, stream est en retard d'une guerre ou quoi? Ça fait longtemps que j'ai donné le coup à au policier, mais involontairement, parce que j'ai voulu taper sur la porte, et le fait que vu qu'une personne est plus près, ben en fait il donne le coup à la personne. Je pars, mais j'ai oublié de faire mon truc. Donc je devais aller à la livraison. Et donc je disais, bon, par rapport au serveur là, ben, c'est le fait que beaucoup de gens vont sur des serveurs où c'est un peu genre on vous offre tout et faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est pas dire que c'est eux-mêmes qui doivent forcément chercher que ce soit les points de drogue, que ce soit faire un métier, on va dire qu'on demande quand même un minimum, quoi. Genre, vous n'allez pas chez les embûches, vous dire ah ben je veux être engagé, point. Non. Faut quand même avoir montrer la motivation qu'on veut pour faire ce métier, que ce soit pour des points de drogue, mais chercher, tu sais, faire, voilà, faire de la recherche, quoi. Explorer. Après, en fonction de ça, ben, parler avec des gens, c'est ça, le RP. Parler à des gens, faire une petite bande d'amis, bande de police légale, voilà, comme dans la vraie vie, quoi. À part que vous avez le droit de faire un peu plus que. Voilà. Vous savez, votre propre personnage. Ils sont peut-être un peu plus osés, un peu plus moins timides, etc. Ah, d'accord. Je me disais aussi, j'ai eu peur que le décalage entre maintenant et après était plus long. Donc ça va. Donc voilà en fait, pour les autres serveurs. Voilà. Non, chacun choisit ses serveurs. C'est pas pour faire de la pub sur celui que je suis actuellement, mais c'est le fait que voilà. C'est un peu dommage, hein. Non, il y a aussi l'âge, la maturité, le fait que ça dépend. Il y a des gens qui viennent que pour faire le RP, juste pour dire de se défouler d'une manière un peu plus déjantée, mais là c'est un peu trop. C'est un peu trop online, quoi, du GTA Online. Le GTA Online, vous pouvez faire ça pareil, tuer tout le monde, faire des quêtes, faire des missions de braquage, mais là, si vous perdez, vous recommencez. C'est une belle oui, vous passez oui. Hein? Je me disais aussi, pourquoi je passe oui. Donc alors, livraison c'est fait. Les pompistes.
voilà, c'est la vie, ça peut. Voilà, pour donc le note actuel, moi, ce comme j'ai dit hier sur Discord, c'est que. On a énormément de qualité, que ce soit côté de ce qu'on peut fournir sur un serveur, de la qualité des personnages qu'on peut avoir sur ce serveur aussi. Et donc on a déjà les deux bases qui permettent de faire quelque chose que nouveaux arrivants peuvent dire, ah ouais, c'est pas mal, on y reste quoi. Le problème, c'est que voilà, les gens sont pas forcément dispo en même temps, ou alors moi je trouve que c'est plutôt aussi manque de motivation, c'est possible aussi, parce que bon, de dire qu'on fait un événement, on arrive à être une vingtaine, et que le lendemain on fait que 4 à 5, 5, 4 à 5 personnes minimum en moyenne. Alors c'est parce que beaucoup disent oui, il y a aussi la semaine. Moi je suis pas d'accord, parce que ça, vous avez beau regarder d'autres serveurs, la semaine c'est archi full. Même des fois le week-end on a du mal à avoir des gens, donc maintenant aussi je vais pas contester que les gens ont eu une vie, ça je suis tout à fait d'accord. Mais si vous venez sur un serveur dont vous investissez et que vous voulez jouer du RP, façon de parler, c'est pas en faisant un jour dans la semaine quoi. Faut savoir être un peu réaliste. Bon, c'est mon avis, hein. Ça reste toujours mon avis. Par contre, je suis sur un pompiste. Maintenant, est-ce que je peux mettre de l'essence? Non. Donc je pense que je vais en mettre au doc. Non, je vais aller d'abord là. Puis je vais au doc. Vaut mieux prendre. Vaut mieux rester prudent. Donc voilà. Alors je peux comprendre, il y a beaucoup qui sont démotivés à cause de ce genre de journée où vous essayez de faire le max, vous investissez comme les modos, les fondas, etc. Et qui voient que rien ne vient, ben, je peux comprendre aussi leur frustration. Ben, voilà, moi en tant que joueur, en tant que streamer aussi, parce que voilà, vous voyez bien, ça fait depuis on va dire que c'est vraiment l'ouverture du serveur, j'ai commencé un petit peu à faire du stream, donc c'est pour justement aussi attirer les gens. Bon, maintenant voilà. Non, mais je dis pas par rapport à toi ou. Non, je dis en général, ceux qui veulent. Enfin, il y a des gens qui font peut-être du RP, mais que voilà, ils ont une vie à côté. Je parle de tout en général, quoi. Tu sais, ils ont une activité, ils ont. Voilà, une famille, ils ont leur boulot aussi, s'ils font des pauses, etc. C'est ça que je veux dire. Maintenant, la différence aussi entre un viewer et un qui fait du RP, c'est que, à dire, la personne qui regarde, voilà, il fait que ça. Il n'a pas de rôle à jouer, on va dire, dans le serveur. Donc, il ne s'investit pas dans le serveur, mais il s'investit pour le streamer. Oui, non, toi, je sais bien. Toi, tu es un fidèle de mon stream. Et on apprécie, je pense tous, je ne suis pas le seul, je pense qu'il y en a quelques-uns qui t'ont déjà vu sur le chat et qui apprécient ton geste. Moi en tout cas, je l'apprécie. Je te le dis sur le chat ou même en face. Donc, non mais c'est bien, moi j'aime bien être précis, comme beaucoup de personnes commencent à me connaître maintenant, j'aime bien avoir. Genre à mettre vraiment des virgules, des points. Ouvrir les guillemets, etc. Vraiment. Pour essayer d'être le plus. Le détail le plus possible et qu'il n'y ait pas de confusion. Ah, par contre, j'ai oublié de tourner. Ah, pardon. On n'a rien vu. On fera le constat plus tard. Donc voilà. Le cadeau? Quel cadeau? Je sais pas de quoi tu parles pour le cadeau, hein? Bah écoute, venant de moi, le fait que je sois
un de tes joueurs de ton équipe en salle, ça c'est déjà pas mal. Le fait qu'on joue ensemble au club pro, c'est pas mal aussi. Du fait qu'on des fois qu'on se tient au courant. Ah tiens donc, qu'on se tient au courant l'un à l'autre, donc voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, il va se remonter à l'hôpital. Ah non. Écoutez, c'est autre, mais bon, on va y aller. Ah oui, c'est le Giro. Giro, c'est lui, mais pas le sein. On y va! Comment ça, hein? Ouais, j'ai mal compris ta question. Ah, j'ai cru que j'avais mal répondu à ta question. Par contre, téléphone. Allô? Oui, je crois que je vais avoir besoin de vous. J'ai eu un appel. Il y a Et... une voiture avec des bâtiments très hauts. Je me demande s'il n'y a pas un suicide et qui se prépare. Bah écoutez, Faut moi que je j'ai vous envoie reçu un appel ma... autre, donc je suis sur place dans quelques secondes. Près du Comico? Oui, c'est ça. Oh, c'est ça. Ok, ouais, ok. On monte sur le toit ou pas? Un Il y a une suicide? échelle là. Comment c'est un suicide? Bah, regardez, il y a une voiture ici, il y a des échelles là et l'appel Oh était vers là le là toit. là là. Bon, attendez, Je sens mal tout ça. Tu fais quoi là? Je commence à monter, il y a mon frère déjà qui est là-haut, je crois. Alors, qu'est-ce qui se Ouais, passe? je vous suis, hein. Ah ouais, non, c'est sûr. Suicide? Oh non. Attends, il y a McFish qui arrive. C'est McFly. J'arrive Oh, avec lui. bon sang, c'est McFly. McFly, Oh. pardon. Oh, vous côtoyez Non mais trop, qu'est-ce qu'il lui dit? Monsieur Il lui Park, dit, hein. veut y attendre. Comment? Vous côtoyez trop Monsieur Park, hein, je vous le dis. Mais j'entends quoi radio? Je lui dis veuillez patienter 5 minutes, mon collègue arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Lui il a vraiment le don pour aider les gens. Ah, je commence à avoir le vertige. Ouais moi aussi, c'est pas bon Et ça. pourtant, Oh non, ça oh m'arrive non. trop en hélico. Ah non. Mais c'est monsieur. Mais pourquoi vous avez Oula, sauté? oula, Revenez oula, monsieur. oula. Déployez une bâche en dessous, déployez une bâche. Je vais sauter. Vous On pour... est Bon que écoute, tu vas pas 3. sauter parce que si tu sautes, je saute. Comment ça Je vais sauter. Pourquoi vous sautez? Expliquez-moi, monsieur, expliquez-moi. Dites-moi pourquoi vous voulez Si sauter. c'est une technique, Attention, j'essaie de j'ai le faire. perdu mon Je prends vos mains. travail, j'ai plus d'âge. Hein. Oh! Bon, j'ai réussi à prendre ses mains. Oh, let's go! Ouais, mais bloquez-le, Oh! plaquez-le! Lâchez ou C'est je me bon, c'est bon. suicide. Non, mais Ah, dites-moi. attendez, je lui Oh, tiens la langue, dites-moi je lui si tiens la je langue, vais comme ou ça il si peut pas la je mordre. Non, mais dites-moi Oh, pourquoi lâchez vous ou voulez je vous me suicide. dites-moi pourquoi vous voulez vous suicider quand même, monsieur. Vous êtes inconscient. Ah, vous me relâchez sinon je dis rien. Bah, Prends ma écoutez. vous Poignée, promets que vous je sautez vois. pas. Je peux pas parler? Je peux pas parler. Pour le Ouais, je moment, saute vous. pas, je saute pas. Ok, je vous amène à un endroit plus loin du Non, mais vide. là, vous me lâchez, je parle. Ok, je vous lâche De ici. toute façon, vous essayez de vous suicider, je pense que l'un des policiers va utiliser la manière forte, Fais donc gaffe à lui, un c'est ça. petit coup de taser, vous voyez, donc soyez Attendez, calme. alors. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, recule, tu restes dans cette zone Bon, là. dites-moi, Approche-toi de cette zone oui. et. Allez, expliquez-moi. Je peux me suicider, Pourquoi? car j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma famille, j'ai plus d'argent pour vivre. À ce point-là? Oh. Oui. À cause de quoi? Non! Ah Oh, non! Oh Oh là non! Non mais non, mais là... Il va rejoindre Monsieur Kenpachi et. Bon, je le rejoins, Ah je peux non. pas rester en vie. Non, et c'est Non, plus je que l'ai. ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est complètement zinzin ou quoi? Oh Non mais il là est là. complètement con, oh là 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 là. Oh, regardez son corps. Bon, je vais pas me mettre Oh sur le banc punaise. parce que j'ai Bon, pas faut Bon lâcher, hein, ben. qui sait souffre encore. C'est comment il Bon, la s'appelle la vie. personne? C'est Alors, pas. comment Mais dire que vous c'était ne pas de vos connaissez plus son services? prénom? C'est pas Tyson Ah, Masaki. j'ai même pas fait gaffe. Masaki, mais Ça c'est. fait. Si c'est le monsieur Masaki, ça fait Il sert tellement à rien, au longtemps. pire, Ça vous fait savez. tellement longtemps que je n'ai plus vu le monsieur, donc.
Bah écoutez, Ouais, si bah c'est il y a du bien pain Monsieur sur ta gueule, Masaki, surtout. bah, heure du décès, 21h32, le 20 novembre 2018. J'ai vraiment envie de monter sur le rebord, mais j'ai Qu'il peur que je paie. trébuche. Repose en paix. Repose en paix. Ouais. Un repos en paix. Bah bon, vous avez mal fait de votre boulot en tout cas, vous auriez pu. Mais il était suicidaire aussi. Bah, un coup de Pourquoi tu as taser, vous enlevé l'aurez les menottes? T'aurais dû neutralisé, lui laisser, wesh. Bah, bordel de merde, bah, quand même. Moi, j'essayais de raisonner, et Vous êtes le vous. médecin, Bah, non, vous mais. êtes normalement le mentaliste un peu, le Bah, Fabien vous, Olicard c'est du médecin, quoi. neutralisé. Vous enlevez les En menottes gros, alors qu'il s'est je lui ai mis les suicidé. menottes, je lui ai attrapé les mains, et je l'ai mis là-bas, et Qui a eu l'idée d'enlever les menottes déjà? Oui, c'est normal. Vous auriez dû le laisser, les menottes. Et on aurait descendu. Exactement. Et on aurait descendu, justement, à ce moment-là. Pas Ouais, mais descendu, descendre, ça c'est-à-dire serait calomnie quand même de descendre le du descendre. bâtiment, je précise. Oui, non, mais descendre par les échelles à deux, ça va être compliqué quand même, non? Bah écoutez, il y en aurait un qui aurait Ah, pris l'hélico, par exemple. ah, j'aurais Exactement. pu prendre, c'est vrai. Voilà. Fallait réfléchir un petit peu, messieurs. Mais j'ai pas l'habilitation du coup, c'était votre rôle. Ah bah écoutez, moi je pouvais pas savoir, hein. Vous me dites rien. Et Bah après, vous savez, nous sur on un n'est autre pas sujet. médecin, hein, on n'est pas fait pour ce genre de situation. Ouais, c'est vrai que c'est la Bah, première fois que écoutez, ça nous on arrive et appelle je les peux vous policiers dire. aussi pour un cas de ce genre, donc savoir. On venait de vous l'amener, vous avez qu'à faire attention et le tenir en laisse, hein, écoutez. Hein. Oh non, mais non, tu Vous peux pas prenez dire pour ça, qui? wesh. Je suis pas un membre de sa famille ou sa copine ou quoi que ce soit, ou son mec, hein. Vous Faut étiez pas. son patron et vous connaissez très bien moi, il m'a parlé de vous. Écoutez, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, c'est le premier jour où je l'ai engagé, puis je l'ai plus vu depuis. Fais pas comme lui, fais pas comme lui. Non, Approche-toi, je regarde. Parce qu'en fait, j'ai un peu wesh. peur quand même du Ah, vide. t'as des choses qui me démangent, mec, je sens que je vais faire des choses qu'il faut pas faire. Bah écoutez, si vous le faites, je pense que lui, ce sera aussi bye bye. Mais je vous conseille pas. Je pense que mes genoux vont avoir mal. Un peu. Ou alors, Bon, barre-toi. bah écoutez, je Un pense point. que Hey, qu'est-ce que vous en pensez de notre coupe de pour le cheveux au passage? monsieur. Pardon? Oui, c'est vrai que c'est hors sujet un peu, mais. Bah oui, là c'est totalement sujet. Vous imaginez quand même Putain, qu'on pourquoi vous elle est avez plus vu là? un suicide? Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. On devrait être un peu choqué quand On le même, non? connaissait Vous pas, on le parlez. connaissait pas très bien, c'est ça le pire. Bah non, bah du Mais fait vous que vous avez connaissez mal fait votre tous, quoi. boulot. Bon, Oh, mais attendez, pas du alors là, tout! tout de suite. Bon, attendez 2 secondes. J'ai un appel. Faut que je regarde. Oui. Je pense Putain, qu'il faudrait mec, finir t'aurais cette dû lui discussion. laisser les menottes. Mais il fallait qu'on parle avec lui, il Ah voulait pas bah parler. ouais non c'est Comment? encore Pire, ce. c'est que Oh j'ai c'est voulu mettre encore un coup de lui, crosse avant bon. qu'il saute, frère, mais il était trop vif. Ah ça, t'as vu comment il a été vif? Moi Bon aussi sur j'ai ce, voulu le messieurs, mettre, je il est vais mort. descendre du bâtiment, ça sert à rien qu'on y reste, donc. Ouais, moi aussi je commence à avoir un peu la. Bon par Comme contre dans j'espère. l'hélicoptère, quand j'étais trop haut, j'ai lâché un petit vomi. Ah mais. Non mais vous Non, mais. faites exprès, bon sang. Oh là 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 là. Et c'est Mais ça. attendez, là par contre, il faut. Ah il faut aller doucement. Voilà. Oui, doucement. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru qu'il s'appelait Haro? Il sautait de toit en toit? Mais quel abruti, mais oh là là. Mais quel abruti. Magda, Eh si t'es bah, crie-moi présente, fort, c'est de je ta faute. pense que vaut mieux enlever Masaki, je sais pas trop quoi là, parce que je pense Policier à que terre, je répète, policier à terre. Non. c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu malheureux, mais. Oh là là, mais quelle idée de faire ça. Par contre, j'ai du mal à descendre l'échelle. C'est un Ah, peu mais vous avez vu? Bah, lui aussi, il a dû embêtant. avoir du mal. Non, mais là, c'est un peu embêtant. Mais il faut se mettre très 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 près du bord. Attendez, je vais tenter de faire une réanimation à l'électricité. 1, 2, oh, oh. Oh, punaise. Ah, c'est bon. Une petite roulade, mais voilà, sans conséquence. L'électricité, je crois que ça marche pas très bien, il va nous falloir de vos soins. Alors là, c'est avec ça, il s'est pas pété le pied ou la main là, vu comment il est désarticulé. C'est dangereux ces Ah, escaliers-là. Hein. tu t'es cassé une main ou quelque chose. Ce sera moi qui vais conduire. C'est un peu risqué. Hein. Ça va vraiment mon nez. Ouais, surtout même de la part des deux policiers. Hein. Pff, voilà.
C'est un peu dommage. Le défibrillateur, ça marche pas très bien quand même. Ça marche pas. Bon. On va dire c'est un peu hors contexte, hein, parce que bon. Les échelles, parce c'est que, dur à prendre, hein. Parce c'est, que si, si on doit faire vraiment de ce qui se passe, il est mort le gars, donc. On va dire que rien ne s'était passé. Une chute de quelques étages. Ah ouais, non, ça c'est la mort directe. Hein. Donc vous pouvez vous relever, hein. Hein. Ah deux. Ouais, ça va. Ouais, vaut mieux. Bon, sur ce monsieur, bah pour le monsieur, bah. Qui paie à son âme. Faudra aller creuser une tombe, hein. Ouais, non, je pense que faudra déjà appeler les. On ira prier la mec. Les pompes funèbres, je pense, donc voilà. C'est un peu dommage les pour ce monsieur. Je connaissais pas. Ah, vous connaissez pas les pompes funèbres? Les pompes. Oui, chez nous, enfin en Belgique, on dit les pompes funèbres. Ils viennent chercher le corps et le ramènent au funérarium. Il y a bien en Belgique, vous avez combien d'étoiles déjà? Je m'en souviens plus. Alors non. Oh, je vois plus rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je tenterai rien. Je ferai juste. J'ai juste fait la déclaration de la mort de la personne. Maintenant, je vais aller de ce pas et continuer mon petit train-train quotidien. Donc, messieurs les policiers, je vous souhaite donc la bonne soirée et faites attention à vous. Bonne soirée. Aussi, bonne soirée. Merci bien. Inch'Allah, vous aurez une étoile. Non, mais non. Tu peux couper tes sirènes. Vous voyez, par contre, ce genre de situation, c'est pas que. Ça a évité, par contre. C'est con à dire, que ce soit les flics. Et bien sûr. Merde. Alors, à chaque fois, je me trompe. Fais chier. Que ce soit pour les flics, voire même pour le suicidaire. Donc, je sais pas. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais c'est des choses que voilà, ça me sort des trous des yeux. Franchement, c'est. Voilà, par exemple, ce genre de ce truc-là, ça me donnerait envie d'arrêter, de changer de serveur, parce que pour moi, c'est pas RP. C'est rien. En plus, donc, on voit un suicide, les gens rigolent. Ouais, pourquoi pas. Et à ce moment-là, t'as pas envie de forcément de suivre comme eux, dans leur délire. Je sais pas, c'est peut-être moi qui a pas d'humour, j'en sais rien. Mais... Voilà. C'est comme ça. Voilà, de moi-même, donc comme tu as pu voir d'Adjon, j'ai de moi-même décidé d'annuler le fait que le gars est tombé. Parce que pour moi, si c'est le cas, c'est mort direct. Moi, je déciderai à ce moment-là, c'est mort. Donc voilà. Si j'ai juste annulé la. Genre, qu'il a. Pour moi, il a juste descendu les escaliers correctement. Et on n'en parle plus. C'est mieux comme ça. Maintenant, s'il y a la scène que. Enfin, le fait que j'ai fait la décision d'annuler cette scène, si les personnes actuelles ne sont pas d'accord, bah, qu'ils peuvent aller s'en plaindre. Hein. Moi, j'ai mes raisons. J'ai la preuve de sur mon stream, donc. Voilà. Bon, on va quand même continuer ce truc-là. Medikit. Tirer un medikit. Tac. Voilà. Donc, ferme le véhicule. Avec la porte. Par contre, oui. Par curiosité. Ouais. 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 Rien de suspect. D'accord.
Donc alors nous on était, on avait fait les, chez les, on était chez les pompistes. On va aller, on va aller au côté de Doc. Ouais non, on bute au-dessus. Il est à l'étage. Je suis un peu... un peu désorienté ce soir. Veuillez m'en excuser d'avance. Surtout, bon, maintenant, c'est mon stream, je fais, on va dire, ce que je veux, en niveau parole, j'assumerai. Si la personne en question, donc Monsieur Masaki, serait connecté sur mon stream, parce que je pense que il a dû s'enlever des follow, maintenant, c'est pas grave. C'est mon, ça, c'est, on va dire, c'est plutôt un coup de gueule que je vais faire maintenant. Le fait de venir sur le serveur, donc. Où on a décidé de t'enlever en tant qu'ambu, ça n'est pas pour rien. On a décidé de faire ça parce que, excuse-moi, t'es venu un jour pour ta formation, on t'a plus vu depuis, t'as trouvé l'excuse concernant ton boulot, enfin que t'avais beaucoup de boulot, je sais pas trop quoi. Je pense que c'est plutôt que t'avais beaucoup de boulot, pas que t'as le boulot, parce que je pense que t'es vachement jeune. Et puis, ne pas. On va dire que c'est pas très malin aussi de sa part que sur le Discord on peut voir forcément ce qu'ils font. Sauf on peut décocher, mais je pense qu'il n'a pas fait gaffe. Et de voir que quasi tout le temps, tous les soirs, il va sur un autre serveur alors qu'il l'invente, qu'il a beaucoup de boulot. Voilà. Moi je trouve ça un peu petit. Et surtout de revenir ici, faire un suicide, mais c'est un suicide. J'ai jamais vu un suicide aussi merdique. Vraiment merdique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Sur tout RP que j'ai pu faire, c'est vraiment pire. Et petite critique aussi, malheureusement, ça va être peut-être dur aussi pour la personne, parce que je l'apprécie bien un petit peu. Que ce soit Monsieur Shelby, donc Alban et son collègue, je pense que c'était Max. Les deux Shelby, je suis désolé, mais ce que vous avez fait là, c'était zéro aussi. Vraiment zéro. Ça se voit, vous étiez choqués, ça se voit. Ah, soit. Donc, où est-ce qu'on a été? Ouais, donc. On était revenu, donc on avait fait les chez les pompistes, on allait aller chez les docs. Pas au doc. Chaque fois que je me trompe, chez le doc, c'est le docteur, et au doc, ce serait peut-être plus le monde, quoi. Allez, j'ai une petite amélioration par rapport à hier. Non, je vais avoir du mal ce soir. Je vais continuer à faire mon RP normal si j'ai. Comment dire, l'interaction RP, etc. Mais. Ce genre de scène, ça me saoule à un point.
Voilà, je pense que ça va être dit, hein. Parce que je pense que là, c'est du foutage de gueule. Et il va y avoir un petit retour vite fait, ça va. Il n'y aura pas de problème. Je suis navré pour ceux qui sont sur le stream. Je vais juste faire une petite pause. Je reviendrai plus tard.